Hey yo tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et aujourd'hui les amis, un épisode où nous allons retourner dans les ruines sur un donjon moyen avec un événement urbain. Silence dans les cryptes, vous savez probablement ce que ça signifie. Je vais du coup faire ce donjon pour récupérer l'événement qui va me permettre du coup de gagner des bonus non négligeables. Pour aller faire le donjon champion pour éliminer le seigneur nécromancien dans le prochain épisode. Voilà, donc ça sera ça qu'on va faire du coup. Donc du coup pour cet épisode aujourd'hui, nous allons reprendre Lothar. Lothar, mon ami, si tu vois cet épisode, tu nous manques, tu es parti du Discord et c'est vraiment dommage. Reviens mon Lothar, on t'aime, surtout que en plus il incarne un perso, le golem, qui est complètement pété, clairement, voilà. Retour également de Cani en Greyhawk, qui est très probablement l'un des persos qu'elle incarne le mieux. Elle est extrêmement belle, extrêmement forte, donc moi ça me plaît beaucoup. Ramirez, notre sauveteur, qui va, bah, comme son nom l'indique, nous servir de sauveteur, donc de pur support, avec ses soins qui sont pas incroyables, mais les bienvenus. On a quelques soins de stress, visiblement, et quelque chose qui va lui permettre aussi d'améliorer ses compétences de soins, si j'ai bien compris. Et vive l'argent! Et encore une fois, comme son nom l'indique, notre antiquaire qui va nous permettre de ramasser du blé durant ce donjon. Donc il va falloir que je pense évidemment à la prendre à chaque fois que nous allons toucher à quelque chose. Voilà les amis, maintenant qu'on a fait le tour de tous ces persos, vous voyez que Ramirez est le seul à posséder une malédiction pourpre. Ça va être casse-couille, il va falloir du coup que je prenne du sang pour éviter qu'il ne dépérisse. Réfléchissement Jean-Pierre, parce que je sais que j'ai des... Voilà, ne peut pas mourir de la malédiction pourpre au pire. Le problème, c'est qu'il va avoir énormément de... Énormément de traits négatifs liés à ça. Donc tant pis, on va prendre du sang. Allez, c'est parti. On va en prendre au moins 2. Ah, c'est un donjon moyen, je vais en prendre 3, on sait jamais. Alors évidemment, on est emmerdé par les objets de quête, mais ça, c'était prévisible. Je suis obligé de le prendre, ça. Bon, c'est pas grave. Donc la bouffe... Donc évidemment un maximum, je vous rappelle qu'on est en donjon moyen. Les pelles, je vais quand même en prendre 4 minimum. Les torches, on va en prendre pareil, hein, 8 et 8. Hop. Bouffe, pelle, torche. On est dans les ruines, on va prendre quelques bandages. On va évidemment en prendre... Quelques herbes pour looter. On va évidemment prendre quelques passe-partout. Et j'ai plus que de place, lol. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Je me souviens pas que les antidotes soient indispensables. Ça, je pourrais le jeter ou le consommer tout de suite, tout de suite. Donc ça me libérera une place. On va faire ça. Tant pis, hein, en espérant que les objets de quête apparaissent relativement rapidement. Allez, c'est parti. Parce que c'est un donjon moyen, ça va faire un épisode un peu plus long que d'habitude. Bon. Toujours pas de café, hein, évidemment. C'est toujours la même session par rapport à l'épisode précédent. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? Tiens. Bois. Ah! Alors ça, c'est vraiment pas sympa de faire ça, les gars. Mais bon. Donc j'apparais ici, random sur 20. C'est pas grave.
C'est pas grave, c'est les ruines, c'est relativement facile. Putain, déjà des gravats. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ça va bien se passer. D'où des gargouilles. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, je pense. D'où elle commence avant moi. Oh, l'esquive de Cani. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah bah d'accord. Bah, si tu veux. Putain, le coup de queue dans le tard qui résiste pas au stun. Aïe. Même pas mal, connard. Non, Cani. Oh non, mes deux DPT qui sont stun. Esquive. À l'aide. Vas-y, on va encore améliorer le soin possible. On va encore améliorer l'esquive, lol. Allez, vas-y. Ouais. Aïe. Alors, je suis extrêmement tanky avec Lothar. Hein. C'est un petit peu le concept du perso. Putain, résistance, ça c'est très cool. Allez, c'est parti, là, on va commencer à taper maintenant. Cani. Cani qui se vénère un peu. Olé. Mon vieux Lothar. Je me rappelle plus trop ce que tu fais, en fait. Oh, ça fait de fort, ça. Oh, ça va être très fort, ça, madame. Salut! Ta gueule! ça, c'est pas incroyable, parce que ça va me stun, je crois. Ouais. Non, c'est pas un drame. J'en ai pas besoin de lui pour l'instant. vas-y, on continue. À taper en zone. Oh là là, c'est bon ça, Cani. Incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, donc il a dit que non, mais lui en fait, pas besoin. Ok. Aïe. Elles sont chiantes les gargouilles parce qu'elles ont beaucoup de... Beaucoup de protection, mais elles tapent vraiment pas fort. Bon, vas-y, hein. On continue, hein. Tiens, toi, ta gueule. J'aurais dû taper sur l'autre, j'ai été un peu con, mais c'est pas grave. Évidemment. Esquive. Hop, t'es mort. Oh, c'était joli, ça. Mm-hmm. Oh. Bon, ça va sentir le pognon à plein nez, hein, tout ça. Je vous le dis tout de suite. Ça va sentir le pognon, mon gars. Bon, bah, tant pis pour les citrines, hein. Tant pis, tant pis. Réfléchissement Jean-Pierre. Déjà, revenez à vos positions. Toi, ouvre ça. Oh, je sens que ça va être casse-couille, madame. Bon, pour l'instant, on va privilégier les pierres. Puis on essaiera de faire avec. Ça sert à rien. Bonjour. Putain, mais il y a plein de gargouilles là-dedans. C'est quoi ce bordel? Oui. Même pas mal. Et résistance. Bah, parfait. Cani, au secours! Pouah, là 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 là!
Tiens, petit squelette, est-ce que tu peux dégager? Ah, 7 quand même. Pas mal. Ouais, avec les objets, ça soigne plutôt correctement quand même. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est fort. Bon bah désolé. Hein. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Et on va commencer vraiment à être emmerdé, je pense. Bon bah adieu les bandages. Hein. Pas vraiment le choix. Ça fait chier, tant pis. C'est comme ça. Faut vraiment que je trouve les objets de quête rapidement là. Merci. Petit repérage. Ok, donc il y a un objet de quête. Donc du coup, ce qu'on va faire... Oh, il y a deux objets de quête. Donc du coup, on va faire ça d'abord. Et après, on reviendra là. Pour se vider un peu les... Le sac, lol. 60, 60, 60 et 60. Lothar! Oh, parfait. Oh! On repassera. On repassera, t'inquiète. Voilà, parfait. Tac. Hop là. Ça déjà, c'est fait. Ensuite. In Radiance, may we find victory. Lothar. Ah merde. 11, putain. We'll find no clemency in this place. Ça fait un peu mal au derche hein, quand même. Oh bah d'accord. Bah ça c'est très très bien, ça m'a bien libéré la place. Allez, demi-tour et on va pouvoir dropper ça. Tranquillement, ça c'était sûr. Mais j'ai apporté suffisamment de bouffe. Mmh. Par contre, hop, on est comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Clé. Et c'est pas si mal. Pas si mal, ça aurait pu être mieux. Normalement, là-dedans, il y a souvent pas mal de choses qui valent du pognon. Mais visiblement, pas là. Salut! Oh, une vilaine chauve-souris dégueulasse! Oui! Cani bwing bwing! Esquive! Ça, c'est une bonne question. Ouais, vas-y, tape. On va pas se poser de 200 questions, c'est pas possible. On va taper là-dessus. Toi. Oh, il esquive l'enfoiré. Ouais. Oh, le bâtard, il marque. Oh, l'enfoiré. La saloperie. Ah, j'ai vraiment que 2 DPT, c'est pas énorme, mais tant pis. Hein. On va faire avec. Le réveil. Ouais, ça c'est... C'est pas incroyable, hein, madame. Vas-y, est-ce que tu peux mourir? Chaîne nébulaire! Fuck! Ça, ça m'emmerde, monsieur, par contre. Another abomination cleansed from our lands.
L'otard, c'est l'efficacité brute. Hop là. Repositionnement. Ça, c'est relou. Soin de groupe. Oh, très très efficace. Est-ce que tu peux tuer le vilain truc là? Merci. Oh putain! Au moins il résiste au déplacement. T'es sensible au stun gros? Oui. Tiens. Voilà. Alors, on va le finir tranquillement. Cani, finis-moi cette saloperie. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être vraiment très très bon, ça. Ça, c'est vraiment dommage que je dois le lâcher. Ah, ça peut être très bon pourtant, parce qu'il est tout le temps en première position pour moi, mon rudiment à moi. Mais tant pis, il y aura toujours mieux, c'est un objet commun en plus. Oh, bah tiens, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là, moi? Allez, je prends le risque. Tant pis. À un moment donné, faut prendre le risque. Hein. Ok, ça passe. Je le fais aussi parce que j'ai un peu d'esquive avec elle. Voilà, esquive, parfait. Ok, c'est parti, toi. Ah, je peux pas te choper, enfoiré. Bon bah toi, ta gueule. Cani. Voilà, ça c'est très très bon. Ça c'est emmerdant. Bon, ça va. Ça c'est emmerdant. Ok, ça résiste. Petit soin de groupe là. The wounds of war can be healed, but never hidden. Toujours plus d'esquive. Sortie, putain, enfoiré. C'est ce que je voulais éviter, mais c'est pas grave. On va faire avec. Oh, parfait ça. Non, me digère pas. Toi, tu me saoules, ta gueule. Lui, il va être relou à choper, du coup. Ah, le stress. Le stress. Vas-y, toujours plus d'esquive. A brilliant confluence of skill and purpose. Non, faut que je tape. Y a pas à chier, faut que je tape. Ah, dommage, elle me laisse à deux. La soif. Soif. Non, ça touche. Ah, il stun pas. Ça stun pas. Allez, tape là-dessus, hein, Dieu. Oh non, il esquive, le salaud de moustoc de mort. Non, pas sur Cani.
Ouais, vas-y. Hein. Fais ton boulot de soin. Fais ton boulot de... Donne-moi de l'esquive. Et fais ton boulot de... Claquer cet enculé, là. Merci. Un peu de sang? Non. Allez, blason. The light, the promise of safety. Oh bah j'ai plus qu'à faire bien demi-tour maintenant. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Il y en a encore un bout, hein. On n'a pas fini, hein. Ouais, ça c'était à peu près sûr. Vas-y, je vais quand même. Ah, mais non, ça va rien me donner. Non, mais non. C'est de la merde, ça. Ça augmente l'efficacité de la torche, mais là j'en ai pas vraiment besoin. Nickel. Toi. Alors normalement là il y a rien. Hein. Ouais. On est au milieu. Ce que je vous propose c'est de pioncer. Comme ça, ça va me faire déstresser un petit peu. Je vais gagner une place, deux places. Donc ça, c'est plutôt rentable. Ma canie, elle veut... qu'est-ce qu'elle... Hein? Oh. Lothar en mode... non. Je peux pas m'asseoir. Putain. toi... Embuscade nocturne. Ah, attendez, je crois que Lothar, il avait des trucs sympas. Genre ça, oui. Genre ça, oui. Oh putain, genre ça aussi. Putain, il a que des trucs bien, quoi. Vas-y. De toute façon, c'est lui qui est là pour... c'est lui qui est là pour donner les dommages. Hein. Après, le reste... Et ça, c'est très bien aussi. Allez, c'est parfait. Let's go. Salut. Oh, le... Oh, on est surpris. Oh, c'est l'arnaque maudite du cul. Oh non. Esquive. Le coup des deux arbalètes là, ça me fait un peu chier. Du coup, on va les focus eux d'abord. Évidemment, ça c'était sûr. Toi, tu vas faire ça pour te replacer. Merci. Merci Kani, toujours aussi efficace. Ça, c'est pas grave. Allez-y, tapez sur Lothar, de toute façon, c'est pas comme s'il sentait quelque chose. Oui. Bon, il faut absolument qu'on élimine ces deux-là, hein, sinon on est mort. Allez, vas-y. Allez, esquive Kani. Parfait. Bon, si Lothar n'esquive pas, c'est pas grave, parce que vous avez vu quand même avec la protection de Lothar comment ça fait des dégâts. Bon les gars, c'est pas que vous commencez à me casser les couilles, mais un peu quand même. Voilà, ta gueule. Je dis oui. Oh, avec le coup critique, là, la vénère attitude. Et plus d'esquive. Allez, vas-y, on soin.
toi là-bas. Oh, l'esquive. Ah, 6. Ça va. 2. Et 4. Bon. On va se mettre un peu en colère là. Ok. Toi, ta gueule. Ok, même dans cette configuration de team là, on... Oh la vache, 7. Kani, elle prend tellement tarif. Allez, venge-toi, ma Kani, venge-toi. Bien. Olé. On est bien, là j'ai une bonne team, j'ai le tank, le DPT, le tank qui fait DPT aussi d'ailleurs, le healer, le support, là je suis bien là. Là vraiment, tiens toi ta gueule, putain, oh les gifles, c'en est presque obscène quoi. Ah putain, et l'autre il vise toujours le même. Ah, j'arriverai pas à le choper, faut que je le tue. Bah c'est parfait ça. Hop là, tout le monde reprend sa place les gars. Oh, le sac est vide, t'es sérieux. J'ai plus que 6 torches mais ça va le faire. Oh oui, bien joué, oh bah c'est parfait ça. Oh mais non, mais non, mais non. Mais non, bon. Toi t'es chiant. Toi replace-toi. Bon, mon vieux Lolo, voilà. Loupé. Quoique ça aurait pu me replacer ça je crois. Loupé. Et tout le monde, ouais, tout le monde focus Kani, tout va bien. Esquive. Loupé. Pareil. Bah alors. Ah, vous êtes tout de suite moins en confiance, hein, les gars. Putain, c'est tout. Ah, Kani. Kani qui manque de précision. Je crois que c'est normal. Son perso, il est comme ça, hein. C'est un peu une lépreux en plus fort, je crois. Voilà, mais quand ça tape, quoi. Ok. Allez, va mourir. Franchement, c'est un des meilleurs tanks dégâts que j'ai. Le golem, là, Lothar, c'est un des meilleurs. Des vraiment des tout meilleurs. Parce que il tank. Il suffit de lui donner... Bah merde. Voilà. Il suffit de lui donner des objets qui lui donnent de la protection. Des objets qui lui donnent des dégâts. Et alors après, vous pouvez faire n'importe quoi. Quand il tape et qu'il tue, il se régène. Voilà quoi. Tout va bien. Non, non, on continue. C'est bon, je me suis replacé. Bon, on va faire le youhou. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Oh, parfait, ça, bravo. Allez, hop. Non, la clé. Je crois qu'on peut l'ouvrir avec la pelle, mais ça nous donne moins de loot. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What? Ah, je sais ce que c'est. Ça y est, c'est ça. En fait, on a Kani qui a le trait négatif, l'attribut négatif, marqué par l'envol. Et ce trait-là, en fait, ça me donne, je crois, ça. Des ennemis différents de mode, en fait. Il me semble que c'est ça. Donc, si Phil, tu regardes la vidéo, est-ce que tu peux me mettre dans les commentaires si c'est bien ça? Du coup. Il me semble. Je crois qu'on en avait déjà parlé.
Alors ils ont un pattern relativement identique à ce qui existe déjà. Sauf que ça fait un peu plus mal. Ouais. Du coup on va s'énerver un peu avec Lothar. Vous êtes sensible au stun? Oui, bien sûr. Enfin, faudrait déjà que je les touche, lol. Dis donc, toi, t'as l'air très vilain. Toi aussi, t'as l'air d'être très vilaine. Voilà. Ah, ça fait mal, ça, oh. Aïe, aïe, aïe. Inspiration. Oh, ils sont rapides. Putain. Ouais. Je vais encore améliorer et après je vais soigner. Aïe, aïe, aïe. Bon. Oh, putain, ils ont de l'esquive, ces enfoirés. Hein. Mais non, oh. Non, Lothar. Allez, donc on va faire un soin de groupe. Ouais, pas incroyable, mais ça marche toujours. Loupé. Loupé. Alors moi, je vais pas te louper. Destroyed. Ensuite, ça peut être sympa. Ouais. C'est même super sympa d'ailleurs. Le regroupement. Oh non. L'enfoiré. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un truc. Il a fui. Il a fui, le salaud. Ta gueule, toi. Et là, ça va me donner des plumes, c'est ça? Oui. Et ça se vend. Donc en fait, c'est pour ça que l'attribut marqué par l'envol, c'est chiant parce que ça donne des ennemis supplémentaires qui sont peut-être même un peu plus coriaces, peut-être, que les ennemis normaux. Mais quand on tue les groupes, ça nous donne quand même un loot qui permet de se revendre et c'est toujours ça de prix. Merde. Donc c'est pas si mal. C'est un attribut négatif, pas si négatif. C'est un peu comme, par exemple, la maladie rage. C'est considéré comme une maladie, mais ça peut être intéressant sur certaines classes, quoi. Oh, est-ce que je me le fais, ça? Alors ça, par contre, je vais peut-être te le passer, parce que si... non, ça, je vais le passer. J'ai pas envie d'être emmerdé par une maladie à la con, c'est bon. Alors on a dit qu'on faisait ça. Toi. Très bon ça. Merde, je suis arrivé au bout. Ah, le con. Bah tant pis. Ah, il y en a un autre. Non, j'ai pas envie d'être emmerdé par une maladie. Non, vraiment, vraiment, là, la maladie, ça me ferait chier. Tant pis pour les plastrons. Ok, repérage. Oh, GG, ça. Putain. Cette chatte. Oh, il y en a tout le long du chemin. L'arnaque. Oh, le sac est vide. Lothar. Bien joué, ça. Oui. Oui. Eh oui. A fortune waiting to be spent. Oh, c'est shité de ça. Oh là là. Oh mon dieu! Oh les classes en furtivité, comment elles vont être ultra fortes! Oh je pense tellement aux hiboux là! Oh là là! Ah ça c'est super! Putain!
Oh là là là, ça va être très très fort ça, madame. Nom de Dieu! Eh ben c'est parfait, parfait, parfait. Ouais. Ah, j'ai retrouvé un objet ultra cheaté, ça fait du bien. Ah, pour une fois que c'est pas moi qui suis surpris. Esquive tout de suite, parce qu'on a deux arbalétriers derrière qui font un peu peur. Est-ce que je peux vous stun à peu près? Allô? Ouais. Bon, j'ai que le premier, tant pis. Il faut absolument que je tue lui qui va être casse-couille. Ça c'est parfait parce que du coup lui il peut plus faire de. Il peut faire que le coup de baïonnette qui me fait que dalle. Ça c'est plus emmerdant, aïe. Esquive. Ah, ils sont tellement rapides. Ou alors c'est moi qui suis lent. Je sais pas. Tiens, esquive celle-là. Oh non, Kani le laisse pas un PV. Surtout qu'avec lui, je peux pas aller le chercher. Tant pis. Ah, j'ai soif. J'ai soif. Eh ben, tant pis. C'est quasiment fini, tu vas garder ta soif un peu. Oh, le 22 coup critique sur un perso à 1 PV, bravo. Ça fait toujours plaisir. Oh, bah tiens. Un donné pour un rendu. Bon, je vais être obligé de taper sur ça, c'est génial. Maintenant, tu peux faire que des coups de baïonnette nuls. Oh non, tu vas pas commencer le Rami Raze à casser les couilles. Tiens, fais dodo. Et arrête de nous casser les couilles. Oh, il s'est... Putain. Olé. J'ai envie de te dire... Ah, oh, loupé. Kani, fais un effort. Regarde, fais comme Lothar. Tape dessus, vain Dieu. Oh. Ok. Bon, ça va être une sortie principalement orientée sur le pognon. Mais il faut bien. Il faut bien. Je me rappelle plus ce que ça fait ça. Hôtel dédié. Oh. Tant pis. Je préfère pas me donner le... La merde, c'est pas la peine. Oh bah, tu parles. J'ai plus de torche. Il va faire tout noir. Ok, donc plus qu'un combat ici. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah bah d'accord. Oh? Ah bon? Alors là, je savais même pas qu'on pouvait ramasser des trucs. Tiens, Kani, mange. Fais-toi plaisir. Alors là, je viens de découvrir un truc. Alors, est-ce que ça le fait à chaque fois? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je sais pas. Les bouquins, ça, je les prends pas. Normalement, j'ai assez de pelle pour retirer cette merde. Bon, il fait un peu nuit, là, non? Oh, la surprise. Alors, putain, les deux, là, derrière, comment ils vont me casser les rouleaux? Là, je vais prendre tellement de stress. Je suis dégoûté. Vite, faut que j'esquive. Faut que j'en tue un. Absolument, si je peux. Ou pas.
Du coup, je vais me vénère un peu là. Ah, faut que je me vénère là. Ah, évidemment. Ah, voilà, à mon avis, Lothar il va prendre sévère. Ah, il va prendre sévère, c'est sûr. Putain. Ouais, donc lui, c'est un Man-at-Arms ennemi en vrai. Aïe. Dis donc, tu peux pas te taire. Oh, avec le coup critique qui va avec. Oh. Parfait. Ouais, c'est très cool. Ça, c'est moyen cool, clairement. Je préfère encore qu'il focus Lothar. Eh, mais s'il vous plaît, esquivez, quoi. Faites un peu un effort. Putain, tue-les. Merci. Et Lothar qui passe en affliction. Paranoïa. Oh, un golem paranoïaque. D'accord. Non, mais pourquoi pas. Du coup. Où c'est que j'en étais? Oui, toujours l'esquive. Par pitié. C'est vrai que je peux faire ça, mais je préfère faire ça en fait. Voilà. Bon, bah voilà, parfait. J'aimerais régler mon petit problème de stress ici, là, si c'est possible. Voilà. Ouais, parfait ça. Ouais, vas-y, tape sur Lothar. Oh, en plus il esquive. Oh, tellement bien. Oui, je sais, je sais. Et je voulais juste faire ça encore un peu. Voilà. C'est déjà un peu plus respirable. Et puis voilà quoi. Oh, elle tue pas. Oh non, Cani. Olé. Bon, Lothar. Oh là. Regarde, Cani, c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah, parfait. Hein. Comment ça, je peux pas prendre ça? Non. Je suis pas d'accord. Voilà. Bon, bah, voilà. Bon, bah, niveau pognon, je crois qu'on s'est mis bien. J'ai pas consommé énormément de sang. J'ai droppé un objet complètement pété. Bon allez, let's go. Et plus important, j'ai eu l'événement. Oh, 30 000, merci. Du coup, ça passe niveau 2, je crois, du côté de Ramirez, il me semble. J'avais combien de niveau 1? Cani, elle passe niveau 2 aussi? Putain, bien. Bon, Lothar, t'as gagné Crow. Alors, ça, c'est super cool. Et ça, c'est... Ah, que au premier tour. Ouais, alors que au premier tour, c'est un peu handicapant, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment incroyablement emmerdant? Boah. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais. Voilà, 15% de dégâts sur les ruines pour la prochaine quête. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je l'avais pas celui-là? Ah, d'accord. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc, j'ai bien récupéré les objets, c'est bon. Mon vieux Lothar.
Mon vieux lotard, tu vas aller picoler. Tu peux pas picoler. Merde. Est-ce que tu peux aller, du coup, méditer? Méditer pour tes péchés. Apparemment, tu peux. Bon, bah, ok. Vous, j'ai plus besoin de vous, les gars. Merci pour votre coopération. Ah, non. Ah, j'ai le semi-boss de ces morts qui est dans les ruines. Alors ça, par exemple, c'est super fort. Sur tout ce qui va être, par exemple, lépreux ou des trucs comme ça. Alors ça, c'est super fort. Ça, c'est toujours bon à prendre pour les impies. Donc évidemment, bah, la prochaine fois, on va aller faire ce donjon-là pour le seigneur nécromancien. Faut que je me remette un petit peu en tête ce qu'il fait. Et il va falloir que je prenne très probablement des niveaux 5. Petite furie peut-être pour taper en quatrième position. Bah évidemment Jeanne, je pense. Hein. Peut-être pas Guts, on verra bien. On verra ce que je vais prendre, ça sera la surprise. Avant de se quitter, on va juste aller voir un coup dans la... Oh, 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 oh. Diligence. Oh, est-ce que je prends une Abigail de niveau 3, lol? Non, peut-être pas. Pour ne jamais l'utiliser, finalement. Par contre, une Suldania de niveau 2. J'ai presque envie de vous dire que oui, en fait. Putain, une Suldania alcoolique. Bon, bah, tant pis. Hein. J'ai envie de te dire, bon, là, c'est pas incroyable, hein, les attributs, mais pourquoi pas une petite Suldania, là. Tout de suite la renommer. Merde. Sulda. Parce qu'il y a déjà une Suldania, mais ça donne du coup Sulda, voilà. Et le reste, bof. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le petit like et surtout le partage. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'oubliez pas aussi l'abonnement si le contenu vous plaît et pour faire plaisir. N'oubliez pas aussi que vous avez un Discord qui est à votre disposition. Si le lien n'est pas dans la description, et il est rarement dans la description sur les vidéos d'Arkest Dungeon, parce que j'y pense jamais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page principale de la chaîne. Vous avez le lien du Discord en haut à droite dans la bannière. Voilà, ceci étant dit, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut.